Et salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Fallout 4. Et du coup, on avait pour mission de nettoyer, entre guillemets, les entrepôts de leurs vermines, c'est-à-dire des humains. Donc voilà. Ah oui, ok. Oh mais attends, je suis vraiment en train de galérer sur ça. Joli. Nous entrons. Qu'est-ce que vous faites? Ils veulent jamais être Quoi, juste quoi, à vue, quoi? ceux-là. Danger? Ah ouais, on s'est fait cramer Attends, par contre, ouais, lève-toi, c'est mieux. Lui, il nous a vu à travers, tu vois, c'est incroyable. Okay. Alors du coup, let's go, on fouille. C'est parti. Mais où vous êtes? Piper, ah ouais, c'est vrai que le vol, elle casse les couilles avec ça. Ah, mais tu voles! Vous, espèce de sous-merde! Je les ai trouvés, ils ont pas l'air commodes. Hé, ils sont là, tu vois rien! Des petites grenades, ça pourrait être. Mauvaise idée. Bon débarras. Bon, ils étaient pas très forts. Pas très solides, tout ça. Merde! À la base, je voulais pas faire ça, mais bon. Je dis quoi? C'est quoi ce truc bizarre là? C'est une bête? Ok. Bon, bah ça c'est. Oh. Allez, on se taille. Plus que deux. Je vais essayer de faire toutes les missions de Good Neighbor, comme ça on en aura terminé avec la ville. Bon, on en a tellement des quêtes, on en a tellement, c'est abusé. Petite sauvegarde. Ça va être chaud. Madame? Bon. C'est bon. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Ok. Danger. Je suis cramé direct avec eux, c'est relou. Mais qu'est-ce que... Ça sera fini en moins de deux. On se fait allumer par ici. Oh le bâtard. Wow, il m'a dégommé. Bon, ça c'est peut-être un petit peu overkill. Hop. Par contre, c'est bien parce que je fais le plein de cartouches de 10.
passe le bonjour. Et voilà le travail. Bon, c'est pas le plus optimiste que je fais, mais c'est stylé. C'est une mitraillette, hein. Pas besoin d'être très très précis. Qu'est-ce que c'était ? Ils sont tous au-dessus. Oh, il y a un shotgun quand même, on va se méfier. Les propriétaires sont désormais hostiles. Ah, ils l'étaient pas, pas déjà ? Grave erreur. Vous croyez qu'on est en sécurité ? Ouh, attends, le mien il fait pas ça, hein. 120. Y'a un outil de comparaison? Ou pas? Ah, j'ai passé un level! J'avais même pas vu. Bref. 26, 29, 40. 20. Ok, bah celui-ci est mieux, concrètement. En fait. Eh bah écoute. Hop, hein, c'est parti. Fais voir un peu la gueule. Ah, mais il a un petit chargeur et tout. Ouais, non, c'est casse-couille. C'est casse-couille. Moi, je préfère avoir mon. Attends. Ah oui, ok, je m'en suis pas équipé. Hop, voilà. Piper, viens. Je suis trop lourd. Quoique, au pire, on s'en fout. Jeter. J'ai 3 de force, c'est pour ça. Armurier, non, moi, ce qui m'intéresse, c'est le forgeron. Quoique, le forgeron, Zef. Un truc qui serait intéressant. Quoique les armures, je sais pas pourquoi, mais je suis beaucoup moins motivé pour modifier les armures. Et je porte plus lourd. Vous voulez vraiment laisser ça là ? Ouais. Ouais, ouais, ouais. Quoi ce truc? Ça tire du 40. Ah, c'est un revolver un peu tuning. Okay. Ok. Et eh ben on se casse. Plus qu'un à faire. J'en ai combien des mines de 10 mm? Oh, pas mal. Ça y est. Piper a aimé ou n'a pas aimé? J'ai pas vu.
De toute façon, en vrai, je suis au niveau. Oh, salut. On leur a donné une bonne. On a de la compagnie. Je suis au niveau max avec eux, avec Piper, donc en vrai, si je veux, je peux changer de compagnon. Mais c'est vrai que son atout, il est pas mal quand même. Doubler l'XP que je reçois à chaque nouvelle négociation, c'est quand même assez énorme. Hein. Oh, je vais bien m'amuser avec toi. Donc je sais pas si je vais en changer tout de suite. Quelqu'un nous prend pour cible. Oh, ça va chier. T'as par contre de loin. C'est beau de faire ça. Quel gâchis. J'aurais préféré qu'on n'en arrive pas là. Je vais te balancer à la flotte avec des charentaises en béton. Charentaises, tu connais ça, toi? T'es pas censé être un Américain? Ah, mais elle est montée les embrouiller, d'accord. D'accord, d'accord. Toujours là. Vous avez fait du bon boulot. Putain, je me fais plein de mun. Ça, quel plaisir. J'arrive. C'est la fin du voyage. Même pas mal. Je crois que c'est bon. Ouais. Ça, c'est bien. Ouais, c'était sûr qu'il y avait un coffre. Bon, ça c'est fait. Je l'avais pas vu ça. Hop là. 13 minutes et on a fait une quête. Plus qu'à la rendre. Pas mal. Ouais. Le spectacle, c'est au sous-sol. Oui. Ouais. On m'a dit que quelqu'un avait exterminé les rats des vieux entrepôts. Vous seriez pas au courant des fois. Je fais mon boulot, c'est tout. C'est toujours un plaisir de travailler avec les pros. Ah oui, c'est vrai qu'il me donne les 400 capsules. Hé, hey, Charlie. Mon client était ravi que vous ayez réglé son problème de rat. Maintenant, si vous voulez quelque chose à boire, allez-y. Je vous écoute. Voyons ce que vous avez. Oubliez le pourliche. Je gonfle déjà mes prix. Ouais, la pute thune. J'avais déjà tout pris. Tu te souviens quand je t'ai fumé il y a 2 jours? Ok. Ouf, au niveau de... Ouais. Ouais. Vous avez déjà été chez Killer Bee Kill? Ils ont des armes de malade. Yes,
Bon, si je me souviens bien, la quête là qu'on vous s'apprête à faire, c'est. Ça sort de l'ordinaire, mais c'est vraiment pas une de mes quêtes préférées. Après, je sais pas, c'est peut-être pas celle-ci. Je m'en souviens plus trop. Si vous voulez faire le plein de matos, vous pouvez aller à Daisy's Discount. Sympa le Pip-Boy, mec. Fais gaffe de pas le perdre. Docteur Amari, on a Ah, j'aurais dû sauvegarder. Quel genre de souvenir est-ce qu'on cherche? Notre nouveau client est père de famille. Cherchez un souvenir de son fils. D'accord, j'analyse l'hippocampe. J'ai quelque chose. C'est très récent. La synchronisation avec les lobes temporaux est forte. Parfait. Levez le rideau, trésor. Le spectacle va commencer. C'est là que tu vois que tu dois nettoyer ton écran. Votre souvenir. Détendez-vous. On surveille vos constantes. Non, ça va, c'est pas cette quête-là. Tout va bien. Procédure manuelle enclenchée. Stase cryogénique interrompue. Qui êtes-vous? Pourquoi vous faites ça? L'ordinateur de l'abri fonctionne toujours. Tant mieux. Qui êtes-vous? Je vérifie les registres. J'espère que tout est... Cherche et tais-toi. Qui êtes-vous? Capsule C6. Pourquoi vous faites ça? Ça aurait dû être moi. Pourquoi ils n'ont pas décidé de me prendre à sa place? Oh mon Dieu. Nora, je ne peux pas revoir ça. Là, c'est moi. Ouais, c'est moi. Ouvre. Ça aurait dû être moi. Pourquoi ils n'ont pas décidé de me prendre à sa place? Mais du coup, on peut mieux voir sa tête à ce chien-là. Non, ne vous inquiétez s'il pas. Vous plaît, non. Pourquoi vous faites ça? Viens, viens me voir, mon chéri. Je m'occupe de lui. Lâchez le bébé. Pourquoi vous faites ça? Non, s'il vous plaît, non. Nom de Dieu. Mon Dieu. Emmène le gamin ensemble. Je le retrouverai. Je le jure. Reste en plan B. Je vais vous tuer. Putain de merde! Qui êtes-vous? On arrive à la fin du souvenir. Pourquoi vous faites ça? Essayez de vous calmer. Je le retrouverai. Je le jure. T'as, elle est morte, elle était vénère. 3, 2, 1. Je suis vraiment désolée. Si je m'étais douté qu'on allait vous faire revivre ça, j'aurais refusé. Vous m'avez fait revivre ça sans réagir? Vous avez une dette envers moi. Vous avez raison. Tenez, c'est pour tout ce que vous avez enduré. Mais c'est d'un détective que vous avez besoin, trésor. J'ai un ami, Nick Valentine. Il travaille à Diamond City. Si la suite de la quête principale. Retrouver votre fils, c'est bien lui. Ouais bah non, ça va, c'était tranquille, c'était pas la quête que je pensais que c'était. Du coup, on se taille. Ai-je une autre quête? Ouais, trouver la machine. Ah oui, et puis il y avait Imogène. On avait un lieu. Je pense qu'on va aller trouver la machine à bière. Mais par contre, ouais, niveau poids, là... Va falloir qu'on aille poser tout ça à Sanctuary, hein, donc on va se taper du chargement. Nous n'avons pas le choix. Mais là, on va stacker un petit peu les ressources.
En prévision. Oh. J'arrive pas à le croire. On aurait vraiment dit ça. Mais il se comportait pas du tout comme lui. L'Institut croit pouvoir remplacer les habitants de cette ville par des synthétiques ? La bonne blague. Oh. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire à sa mère ? Bon, c'est pas tout ça, mais moi j'ai faim. Enfin, c'est pas tout, mais moi j'ai faim. Travers de loup. Putain, mais ça, c'est que des trucs de... Vers de sang, pareil. Je connais pas, hein. Ça, c'est des trucs de DLC. Oh, on peut faire de la drogue juste là-bas. Parfait. Dégage. Un nouveau phénomène de foire en ville. Bienvenue à la maison. Assez de cam ou d'alcool dans le sang. Allez, go sanctu. On va se vider les poches. Ensuite, on continuera les quêtes. Ça va être très rapide. T'as toujours bloqué. Hop. Presque 100 kilos. Il me manque tellement. Attends, il a une quête à me donner, lui, là, non ? Ce qui pleure. Oh oui ! J'étais certain que vous ne reviendriez jamais. Maintenant que vous êtes de retour à Sanctuary, ça vous dirait d'avoir du travail ? Un boulot ? Pour moi ? C'est vrai ? C'est la goule qu'on avait envoyée dans l'épisode précédent. Ouais, je pense que votre expérience en matière de vente pourrait être un atout. What ? Mais non, mais il reste là. Qu'est-ce que vous voulez ? Vous vous moquez encore ? Ta gueule, ta gueule. Je veux pas qu'il porte, en fait. Ça... Bon, lui, là, il est en train de pleurer. J'ai juste besoin d'échanger de l'équipement. Ah non, ok. Certains jours sont plus difficiles que d'autres. Allez, on se casse. Faut qu'on retrouve Uber, hein, la machine à bière. Vous avez envie de vous faire poignarder ou lapider ? Bon, j'espère que le temps de chargement va pas durer trop longtemps. Celui-ci. J'ai envie de me servir de mon sniper là, ça me démange. Pourquoi il vomit lui ? C'est un ouf. Oula, ça désingue des robots, ça y est. Wouah, oh, je me suis fait plein de bastos, c'est incroyable. Je me suis mis trop bien. À force de tirer ces balles là et de d'économiser les autres, je me suis mis vraiment bien. Alors, du coup, je pense que par là, ça va être le plus rapide. Oh putain. Saleté de bruit. C'est quoi ce bruit ?
D'accord. Nice. Discrétion, tout ça. Allez, super. Bah, pareil pour toi, mon grand. Allez, tire-lui dessus. Voilà, c'est un jeu. What? Ok. Oh, il est légendaire le bâtard. Bah, il était nul. Ok, bon. Augmente la vitesse de récupération des points d'action. Pff. Pire, je le prends, mais. C'est un pillard, ok. Merde! Ah, bon bah salut les gars, attendez deux secondes. Ouais. Non, j'ai le talent. Si vous venez habiter chez moi, pas la peine de vous faire saluer. Alors, il faut pas avoir les yeux plus grands que le ventre. Oh, le stack de tic, putain. Ça régène pas mal. Le 308, c'est snipe, hein. Ouais. Bon, je sais, je papillonne. Ça, c'est pas quelque chose qui est au programme. Là, il y a des constructions de super mutants. C'est quoi cette arme? Merde, j'ai mis tout prendre. Je voulais juste voir le nom à la base. Ah ouais, ok, c'est un truc claqué au sol. Et le deuxième là, du coup, j'ai pas vu. Il est en 308. M'en fous. Ok. Bon, on va aller voir là-bas du coup. Parce que ça continuait, mais j'y étais pas allé. Masse fusion. Et moi, je dois aller là-bas. Ok, on va continuer.
C'est pas moi qui les avais désingués ici? Oh. Note de récupérateur. Alors, un des gardes de la caravane m'a confié qu'il y avait probablement pas mal de... Ok, qu'il y avait probablement pas mal de choses à récupérer dans la zone. Ponton des gardes-côtes, ça peut valoir le coup d'aller vérifier. Ok, on ira un jour. Allez. Je sais pas si j'ai une quête à faire ici. Ils ont pas l'air d'aimer les visiteurs par ici. Ça c'était à l'époque. Je sais pas. Je pense qu'on va aller visiter le bâtiment. Malgré tout. Je vois pas la... Là, il y en a plus. Là, c'est Good Neighbor. Ok. Bon, on va aller voir là-dedans ce que ça donne. Mais je sais pas si j'ai une quête là-dedans, mais j'ai trop de trucs à faire. Mass fusion. Je sais pas du tout. On va y aller. Après, tous les bâtiments ne correspondent pas à une quête, hein. Il y en a qui sont là juste pour le plaisir. Peut-être que celui-ci en fait partie. Je vais pas lire. Putain, ça monte. Bon, en gros, c'est EDF, si j'ai bien compris.
mais en plus stylé. Génial. Surprenant que ce soit toujours en si bon état. Il pouvait vraiment se passer de rien, on dirait. Je vois pas où elle veut en venir, mais... C'est bon. Peut-être de l'électricité, genre les gens qui se plaignaient là, de ce que j'ai lu tout à l'heure. Ok. Il marche l'ascenseur ? Non. Je vais pas aller vérifier s'il me tombe dessus, mais... C'est ça que je vais faire. On a de la visite. Ça y est. On désacte les tourelles. Non, attends, j'active les robots pour qu'ils m'aident. Légendaire. Ça lance des longues grenades. Ok. Bon, attends. J'espère que ça commence à me casser les couilles. Oh putain, il y avait un piège. Je vois pas où il est le... Là-bas ? Le méchant. Oh putain, ok, c'est un lance-missile. Ok.
Nice shot! Et ouais, mon pote. Il y a lui là. Légendaire, faudra que je le fume en repartant. Oh! Brassard gauche de synthétique facilite le positionnement correct de le. Ouais. C'est fort. Artilleur légendaire. Attends, j'avais même pas vu qu'il y en avait un qui était légendaire. Et du coup, le brassard gauche, ça dit quoi? Ça dit que c'est moins bien que ce que j'ai. Qu'il était possible de sentir aussi mauvais. En tout cas, les protectrons, à part me donner de l'XP quand je les hack, ils m'ont pas servi à grand chose pour le moment. Vous mettez pause comme d'hab. Mais son temps de protectron, mais il arrive. Hein. Tu vas crever. Vous êtes nombreux, vous. Ok. Le mec, il avait la main sur le molotov, tu vois. C'est... Il était chaud. Hein. Il nous aide le robot là ou il se touche? J'aimerais bien qu'il se prenne un peu des dégâts avant que je l'affronte, si c'est possible. C'est juste des chiottes. Hein. Je me suis excité pour rien. Bon, on aura bientôt plus de munitions pour cette arme. Mais c'est bien parce que ça m'aura permis de stacker toutes les autres munitions de toutes mes autres armes. Ça va chier. Ouais. Je voulais juste recharger. Ok, ça monte encore.
J'étais ici, hein. Juste avant, je crois. Là, je peux pas y aller. C'est un sacré merdier. Je vais sûrement oublier de fouiller certaines pièces, mais bon, tant pis. On ira après. Elle est équipée, la dame. Attends, réfléchissons. On met tout là, hein. On met tout ce qu'on a. Ok, c'est bon. Ouais, la petite mitraillette là qui fait 2 de dégâts, ça aurait pas suffi, hein, clairement. Je lui ai éclaté son armure. Porte-parapluie. Ça doit peser une tonne, on va éviter. Oh! Le petit plastron là. Tiens, 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 ça faut que je le dégage. Je l'avais pris sans faire exprès. Alors, le plastron. Il est où le mien? Brasse, ok, il est en bas. 17-17, point d'action un petit peu plus, mais bon. Hop. En plus, il pèse moins lourd. Ah non, il pèse super lourd, ok. Ok, ok. Fais voir un peu mon style. Ouais. Oups. Bon, c'était la chef du gang. Hop là. Niveau maître, j'ai rien vu. Brassard droit. Ok, bah écoute. Hop. On sauvegarde. Balcon. Attends. Balcon. Oh! Putain, heureusement que je l'ai vu. La petite figurine. De force en plus. Yeah boy! Ça, quel plaisir! 20 kilos de plus. Ah, elle était bien planquée, hein. Enfin, elle était en évidence et en même temps planquée, tu vois. Nice! Ah, je suis content de l'avoir vue! Bon. Il y avait l'ascenseur, on va aller sur le balcon et ensuite ascenseur. Voilà pourquoi fallait venir, parce qu'il y a la petite figurine de force. Ah, je suis content, franchement. Très très bien. Et quand tu trouves du coup
une figurine. Ça, faut savoir que je crois, en tout cas, je sais plus si dans Fallout 4 c'est le cas, mais il me semble. Il y a une seule figurine par. Tu sais, y en a une pour la force, il y en a une pour l'agilité, etc. Donc c'est très rare d'en trouver. Et ça te met un point de plus. Donc normalement, j'ai 5 en force. Ouais, c'est ça, j'ai 5 en force. Donc c'est lourd de ouf. Putain, on est où là? Ok, c'était juste ça, sérieux? Sérieux? Putain, c'est nul. C'était juste un point de vue en fait. Ok. Alors, du coup, on va prendre l'ascenseur. Je sais pas si ça va nous faire monter ou descendre, mais. On va essayer de terminer ce bâtiment assez rapidement. Là-bas, l'ascenseur. Descente, ok. Hall d'entrée. Oh, bah on se casse. Par contre, j'ai un truc qui me manque. C'est la clé, là. Il y avait une porte qui nécessitait ça, là. Je dois trouver cette carte. Mais je sais pas où il est. Le badge de masse fusion. Bon, c'est pas grave. C'est même pas dit qu'il soit là, donc je vais pas du tout me prendre la tête avec ça. On va juste se barrer. Dans la petite pièce, genre la chambre, tu vois, de la boss, là, des artilleurs, j'ai rien vu. Hein. Il me semble pas que j'ai loupé quoi que ce soit. Faut peut-être y revenir pour une quête, hein, justement. Je vais essayer de voir très très rapidement pour aller récupérer le truc de bière là. Mais si je vois que c'est un grand bâtiment, on gardera ça pour un autre épisode tout simplement. Ok, du coup, c'est par là-bas. Attends, en fait, j'ai pas avancé, j'ai tourné autour de Good Neighbor. Bruh. J'ai fait un tour là. Pas toi que je veux. Ah bah si, c'est toi en fait que je veux défoncer. Attends, il y en a deux des pierres légendaires ou j'ai rêvé? Ah non, lui il est mort. Ok. Ok, on s'en fout. On va le prendre quand même pour la forme. Oh. Putain, il y a toujours des trucs. Ça va descendre, j'imagine. Mais il n'y a qu'un seul moyen de le savoir et j'ai la flemme de me taper un temps de chargement. Habitant. Ah, donc lui c'est un frérot. Ok, il était posé lui.
En plus, il avait son petit détecteur de mouvement perso. Il était bien. T'as ces ghettos. Hein. Je sais pas qui. Il y a peut-être une deuxième tourelle. Ah non, c'est pas des tourelles ça. Il y a une brahmine là qui est en suspension. C'est quoi cet endroit? Ah, il y a une lumière. Ah, ils m'ont vu. Du coup, c'est quoi ce bâtiment? C'est un square. Un square ou un square? Putain, je sais même pas comment on dit en français. C'est terrible. Un square, je crois. Hein. À la française, en tout cas. La petite brahmine, elle est très sage. Bah écoute, on va te laisser là. Il y avait le corps de tes potes, par contre, là... Ils sont où tous les corps? Ah, on peut rentrer. Ok. Là, il y a un corps. Un autre corps. Bon, on va rentrer dans la sandwicherie là. Spookies. Ouais, c'est ça. Et on fera du coup le bâtiment, l'autre, celui de la quête, dans un prochain épisode. Sinon, on va pas s'en sortir. Ça sent la goule, hein? Ah non. Holy f... J'ai combien de PV là juste pour rigoler? Un PV. Là, on prend tout, on prend tout. Je sais que c'est de l'abus. Voilà, t'es mort. Attends, y'en a un autre. Putain, ils ont un robot et tout, quoi. Je pensais être équipé de grenades, mais non. Ah! Encore une fois, je pensais être équipé de grenades. Putain, j'en ai marre. Ah là là. Mais y'a un mec, il est au sol là, il me tire dessus et tout. Je comprends plus rien.
le combat le plus dégueulasse que j'ai fait jusqu'à maintenant. Y'a rien qui va. Tiens, aide-moi. Si je rencontrais l'inventeur des Steam, je crois que je l'embrasserais. C'est votre dernière. Mais non, merde de bouger. Ah. Oh la galère de ouf. Oh là là. Un PV. C'est nop. Ouais bon là on a plus de balles hein, clairement. C'est ça que je voulais prendre mais putain dans la panique, j'ai pas réussi. Bon après je sais que j'aurais pu l'équiper. Oh de l'huile, parfait ça. J'aurais pu l'équiper depuis mon inventaire mais c'est... C'était pas RP. Hop. Et puis de toute façon il en faut des combats dégueulasses. Ça fait partie du game. Voilà ça c'était sûr. Je l'ai vu au dernier moment. J'y ai pensé avant de déclencher le truc, mais je l'ai vu au dernier moment. Putain, ils sont équipés les artilleurs. Ah, c'est juste un petit bâtiment comme ça avec avec à la fin des petites récompenses qui vont bien. Brassard gauche. Attends. Hop, brassard droit. Alors. Ça c'est mieux en tout point, donc ça, ça dégage. Brassard gauche, il est où mon brassard gauche? Il est tout en haut. Ah ouais, mais non, lui il est lourd de ouf. Ouais non, lui je vais le jeter. Ça je garde juste parce que c'est légendaire. Ok. Eh bah c'était une vraie galère. On va aller devant le bâtiment en question et puis on s'arrêtera là. Comme ça pour la prochaine fois, on est OP. Toujours plus. Putain, ils abusent, je sais que c'est le centre-ville, mais quand même. Quand même, les gars, chargez un petit peu plus vite. Donc logiquement ça va être ce bâtiment là ou alors derrière. Wow.
Attends. Oh mais plus. Du voyage. Ouais, pas mal. Le petit truc de barbelé là. Plus un niveau. Succès déverrouillé, vagabond inarrêtable. Je suis niveau 25. Ah yes! Allez hop! Je vais aller voir de mon côté là, pour la prochaine fois quelles améliorations d'armes on peut faire. Parce que c'est vrai que je suis en train de remarquer que là les armes elles commencent un petit peu à galérer quand même. Je vais prendre un double canon juste pour voir ce que je peux en faire. C'est quoi ça? Ah, c'est un fangeux, putain, je suis trop peur. Attends, elle est où la tourelle? Ok, elle est là. Après, on y est, ça a l'air petit. J'ai limite envie de faire la quête. Wow, 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 wow. Ils m'ont vu? On va désinguer les fangeux. Allez, finissons-en. Ah. Fusil à levier? Mais c'est... C'est super stylé, je connais pas cette arme. Fusil à levier légendaire. Merde. Je vais recharger à chaque fois, mais je regarde un... Je sais pas sur quoi tire. Et j'ai pas du tout les munes qu'il faut. Cadence de tir accrue, vitesse de rechargement. Putain, c'est grave stylé. Ah, je vais m'amuser là avec le craft d'armes là. Je vais bien m'amuser. On va faire une petite save quand même, au cas où. Et du coup, elle s'embrouille avec qui, Piper, là, juste pour... juste par curiosité. Avec lui, là? Non, ils sont déjà morts depuis longtemps. Bref. C'est que c'était pas important. Hop! Le Shamrock, ça a l'air très petit, puis de toute façon, l'épisode, il dure longtemps, donc... autant faire péter la quête. Que en espagnol. Hey. Non, va, c'est même pas ça. On peut s'amuser avec moi, hein?
un peu trop calme d'un coup. Descendez si vous avez des couilles. Oh putain! Oh putain! J'avais pas vu! Le mec est chaud! J'avoue, t'as rien senti. Toujours là. C'est mieux passé que prévu. Ouh. Je l'ai vu le mec. Hein. Le mec qui est attaché là. Déjà on va save, on va se remettre de la santé. On va tout fouiller et ensuite on ira voir le gars. T'as la machette. Oh! Ah, c'est stylé, regarde le. Ils ont essayé de forcer le coffre et tout, c'est grave stylé. Ça y est. Bah ils auraient été déçus hein, franchement, il y avait pas de. C'était pas des dingueries. Hein. Plastron en métal. Il pèse lourd mais il est très résistant. Oh la clé. Nice. J'imagine que la clé elle ouvrait le coffre, ou alors peut-être pas, sinon je vois pas pourquoi ils essaieraient de forcer le coffre. Oh, lol. Ça c'est une arme, la queue de billard il me semble. Mais il est mort lui? Ah ouais. Couteau de combat. Après. Quoi. Rollerball, ok. Je vais pas tarder à être trop lourd. Mais bon, tout ce qui donne des vis. Faut que je le prenne. Oh putain, il va me rendre fou le mannequin. Merci. Par contre, je me suis totalement perdu là, c'est grand cette histoire. Ouais, on va faire ça rapidement, ça a pas l'air d'être très grand. Elle m'habite. Comment voulez-vous trouver quoi que ce soit là-dedans?
Une pierre de coups. Allez, laissez-moi prendre quelque chose avant que vous vous retrouviez en fauteuil roulant. Eh, hey. Oui. Allez, on va faire que ça pour le moment. Et après, on verra. Oh. Ah bah, easy. Ouais. Eh, t'es avec la lumière. Eh, c'est un bug ça. Retour. Comment ça, retour? Ok. Ah, c'est bien un bug, ok. Je me méfie. Ah bah ouais. Attends. Il y a peut-être des drogues qui traînent. Juste à côté, je crois que je... Allez, bah oh. Toujours plus. Voilà. Oh, je suis trop lourd, non. Poids. Ça donne que 1 d'huile. Attends, trier avec le poids. Là, c'est avec le poids, non? Ah non. Valeur poids, voilà. Bon, ça, j'en ai pas besoin. Les cartouches, en vrai, ça se vend bien, mais... Voilà, je sais pas. Bref. En faisant des drogues, ça va les additionner, du coup ça va peser un peu moins lourd. Normalement j'ai dû gagner un kilo, un truc comme ça. Ouais. Ok, là c'était le début. Ok, ok. Donc faut que je trouve un moyen de descendre. C'était là. Hop. Oh merde. Je les ai perdus. Allez, brûlez. Bien joué. Qu'est-ce que c'était ? Mot de passe de l'éthylotron. Bon bah j'ai le mot de passe. Je suis bloqué, non. Pas, s'il te plaît. Je ne veux... Non ! Non ! Début de la séquence de démarrage. Séquence de démarrage terminée.
service d'un échantillon pour approbation technique. Comment écririez-vous l'échantillon test fourni? Attends, faut que je le bove. Ça désaltère. Si tu savais depuis combien de temps j'avais pas bu de bière bien fraîche. Très bien. Il semble que je sois opérationnel à un niveau optimal. Devons-nous effectuer la livraison à l'hôtel Rexford? Gardez... non, tranquille. Je vais pas le garder, je vais l'envoyer là-bas. Une version modifiée d'un... Mais tu sais, les ricains, ils kiffent encore plus les bières. Tiens, je t'ai trouvé une recette. Bonjour, technicien. Devons-nous effectuer la livraison? Ouais, donc je disais... On peut le garder, tu sais, c'est pour les gros darons qui jouent à Fallout, là. Je vais avoir mon robot à bière, oh, trop bien, regarde, Gérard. Mais vas-y, va là-bas. Va à l'hôtel Rexford, mon grand. Faut que je le suive. Oh, putain. Bon, bah, écoute. Let's go, hein. Faut que je le protège. Je crois qu'on peut fail cette mission. Hein. Il me semble. On devrait pas être trop loin de l'hôtel Rexford justement pour pas que ce soit abusé. Du où l'hôtel Rexford? Il nous faut qu'on aille là, on n'est pas si loin. Là, il y avait les fangeux. Et ouais, il va aussi vite que ça, c'est son max. Donc en attendant... Je vais fouiller ça vite fait. C'est original comme utilisation d'une pince à cheveux. Et ouais, t'as rien vu encore. On en est combien là? À combien par contre? Ok, je peux plus rien prendre. Enfin, plus rien qui pèse. Du coup, c'est une bonne chose que j'ai dézingué les fangeux avant. Avant de sortir le robot d'ici. Je sais pas par où est-ce qu'il veut passer. Je vais faire des saves, hein, parce que si je meurs et que je dois réattendre que monsieur avance... Cimère, mais... Non cimère, même si ça se dit pas. Cachette de capsule. Ouais, bon, y a de meilleures cachettes quand même qu'en plein milieu d'une rue, mais ok. Ok, bon, bah là, ça va cartonner. Ça s'est mieux passé que prévu. Oh. J'ai intercepté... C'était quoi, ça? Vous les voyez toujours? Tu vas pas désinguer mon robot bière! Oh putain de merde! Seigneur! Putain, j'aurais bien aimé prendre la viande de molosse mutant, mais. Je n'ai pas le poids. Attends, je pourrais boire ça en vrai. Ça aussi, ça fait gagner du poids. Parce que ça, quand c'est cuisiné, ça met bien, franchement.
Attendez. Petite pause. Il y a Monsieur Caramel qui veut manger. Hop, voilà. Ce que Monsieur veut, Monsieur obtient. Je sais pas où est-ce qu'il veut passer, sûrement ici. Ouais. Eh, la texture qui bug. Je vais juste aller fouiller monsieur. On n'y voit pas grand chose. Je peux fouiller vite fait tant qu'il avance. On dirait qu'elle sait par où est-ce qu'on va. Est-ce que c'est le cas? C'est totalement le cas. Mon good neighbor. Good neighbor, good neighbor. C'est droit devant. Ok, nickel. Et il y a un ennemi. Je sais pas où. Au-dessus. Je sais pas où ils sont. Sur l'autoroute peut-être. Là-haut ou là-haut? Là-haut, je pense, parce que je vois des bouts de bois, genre des constructions. Ah, mais là, il n'y a pas de porte pour les Good Neighbor. C'est pas moi qui les avais dézingués, eux? Ok. On va cuisiner vite fait. Tu vois, ça enlève les côtes, les radiations, les côtes de chiens mutants là. Donc ça met super bien. Puis en plus, ça me fait, ça les ajoute ensemble. Du coup, ça me fait gagner du poids au final. Là, je suis à 250 sur 55 et non pas 65. Ah, il a avancé! Shit. Ok, il est là-bas. Des synthétiques qui se sont fait défoncer. Non, non, y'a rien. Y'a rien, y'a rien. J'ai pas de temps à perdre avec vous. Ouais, j'étais passé là dans l'épisode d'avant. Pas celui-ci, mais celui d'avant. Bon, du coup, le robot, allez, on se bouge. J'avais nettoyé cet endroit aussi tout à l'heure, donc au final, c'est bien de se balader. Ça fait gagner du temps, parce que là, ça aurait été une vraie guerre. Par contre, on fait que... Ah, voilà, c'est bon, on va y être. Allez mon grand, on y est presque, tu vas pas... Je vais pas te laisser en si bon chemin. C'est stylé quand même, cette ambiance là. Au niveau mune, on dit, ça dit quoi? Et salut Tactise, tu arrives à la fin.
Ok. J'attends qu'il passe la porte. Hein. C'est mort. J'ai fait tout le chemin là. C'est pas pour qu'il claque pendant mon chargement. Allez. On aura bien avancé, même si je me suis baladé, donc forcément on perd un peu de temps. Mais bon. Faut encore que je l'escorte. Je pense pas qu'il se fasse agresser ici, mais... on sait jamais. Après, je pourrais tenter de faire une strat... Ouais, non, j'ai peur qu'il se fasse dézinguer, là. Il y a quand même des mafieux dans cette ville. La strat, ça aurait été de se poser là, d'attendre une heure, comme ça il serait direct... Ouais, tu sais quoi, on va le faire. Je save juste avant, et puis comme ça, il va directement être à l'emplacement qu'il faut. Hop, parce que ça n'arrête pas le temps qui passe. Enfin, ouais, normalement, voilà, il a avancé. Nickel. Oui. Oh putain. Bruh, c'est bugué. Voilà. Bien le bonjour. Mes nouveaux amis. Rufus, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est le robot brasseur dont je t'ai parlé. Votre compagnon de beuverie préféré. Je suis programmé pour distribuer boissons fraîches et moments inoubliables. Ok. Mais va mettre ce truc derrière le bar, il me bouche la vue. Lancement de la procédure standard. Hey, merci pour le coup de main. Cette machine à bière est encore mieux que je l'imaginais. Voilà votre argent. Hop là. Hé hé hé. Oh, c'est vous. Vous prenez une chambre aujourd'hui? La direction décline toute responsabilité en cas de perte, de vol ou de dommages. Mais non, je prends pas de chambre, c'est toi qui viens me parler là. Ça ne m'intéresse pas. Alors vous êtes pas au bon endroit. Casse-couille. Je veux juste sauter sur ta table. Bon, du coup. Putain, c'est stylé l'ambiance là comme ça. Je fais le ménage moi. Du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé et on se retrouve dans quelques jours pour la suite. Salut. Vous cherchez une chambre?